يا صاير يا داير يا بو المفهومي، مفيش لك دليل غير عيون الكلام. هكذا يبدأ شيخ إمام حفلاته بهذه الكلمات التي تدل عن مصير الشعوب العربية. شيخ إمام ليس مطرب فقط، بل هو كذلك إنسان وشاعر ومناضل في سبيل الحق والعدالة والحرية. Quand le soleil est masqué par le brouillard et que le voile de l'obscurité a enveloppé le monde, quand le regard et les yeux sont aveugles, à toi, ô toi l'égaré, ô toi qui cherches et qui comprends, il ne te reste comme chemin que les yeux des mots. Cheikh Imam commence toujours ses concerts par ce poème qui est un peu son manifeste et celui de tous ceux qui dans les pays arabes luttent pour une société plus juste et plus libre. Aveugle lui-même, il se bat depuis plus de 30 ans avec la seule force des mots et de la musique pour réveiller les consciences. En 84, il a fait une tournée en France en particulier, à travers toute l'Europe, et c'était la première fois qu'il sortait de l'Égypte. Vous vous rappelez, Mosaïque était présent quand il a donné un concert à Lyon. Aujourd'hui, vous allez l'entendre de nouveau. Vous allez entendre cet homme, ce grand homme, cet homme qui est pour nous, pour les Arabes, qui est notre conscience. Tfadal Cheikh Imam. سايس حصانك على القناوي تعالى تلقى القليله مبخره الغرام وتحول ازاي ادوب عند الغرام وتحول.
première chanson que vient de nous chanter Cheikh Emem est une chanson d'amour d'un genre classique. Quand je dis une chanson d'amour, c'est vrai, mais aussi Cheikh Emem reste Cheikh Emem. Quand il chante une chanson d'amour, il dit aussi que quand on aime une femme, c'est politique. Même en amour, la politique est là. Cheikh Emem, قمت بجولة لأول مرة في أوروبا. ما هي البلدان التي زرتها؟ أنا أولا عملت ثلاث حفلات في مسرح الليزاموندي، ثم حفلتين في قاعة الميتياليتي، ثم زرت أماكن في فرنسا أذكر منها ليل، غرنوبل، مارسيليا، تلوز، رانس، مونبلييه، ليون، يعني هذا هو الذي أذكره. ثم بعد كده رحت إلى بروكسل فعملت حفلتين، حفلة في نفس مدينة بروكسل وحفلة في ليج. أيوة. J'ai demandé à Cheikh Emem, c'était la première fois qu'il venait en Europe, quels sont les pays qu'il a visités. Et bien sûr, il a cité en premier lieu la France et les villes dans lesquelles il a donné des concerts, et aussi en particulier Bruxelles en Belgique. Cheikh Emem, ما هو على كل حال كان في هذه الجولة كان لقاء مع الجالية العربية التي تعيش في أوروبا. نعم. ما هو نوع هذا اللقاء مع Cheikh Emem؟ كان لقاء حار ومثمر ويدعو للأمل اللي منتظر الشعب العربي المقيم في أوروبا. وأنا دائما كنت سعيد حينما ألتقي بأي نخبة من الشعب العربي في أي مكان ألتقي بهم في أوروبا. J'ai demandé à Cheikh Emem quelle a été la nature, disons, de la rencontre qu'il a eue ici avec la communauté arabe, en particulier la communauté maghrébine qui vit en France. Il a dit que c'était c'est une rencontre avec ce public. Lui, il vient d'Égypte. Bon, il ne connaissait pas, mais que c'était une rencontre chaleureuse, fraternelle, pleine d'espoir, et que cette communauté vraiment lui redonne à lui-même un espoir. Et Cheikh Emem, Ornia Thania. Naam. Tfadl. وترسم للهوى مليون علامة بضي النار.
deuxième chanson de Cheikh Imam, cette très très belle chanson, c'est une chanson, c'est un message d'espoir et de fraternité. Cheikh Imam, هل هناك الآن حاليا في مصر فنانين شبان وتقدميين؟ يعني ما استطعش اذكر هذا الشيء لاني لم اجد يعني من يضع قدمه على اول الطريق، وذلك لان اصل طريق صعب ولا يسلكه الا من كان مؤمن ايمان حقيقي بهذه القضيه. J'ai demandé à Cheikh Imam si actuellement, à part la variété, la chanson égyptienne est connue comme la chanson orientale, est-ce qu'il y a des jeunes, disons chanteurs, engagés qui s'intéressent au phénomène société? Il a dit que c'est très très difficile de parler de ce sujet parce que pour mettre ses pas dans un chemin comme celui-là, il faut être très très fort et avoir beaucoup de courage. Cheikh Imam, في هذه الجولة في فرنسا أنت لفت وكتبت أغاني جديدة، هل هناك أغنية يعني تغنيها للإخوان العرب اليوم؟ وأنا لتكون سيادتك وجمهور الإخوة العرب المستمعين، أنا ألحن ويكتب لي شعراء وأنا آخذ النصوص وألحنها. فأنا حين كنت في باريس عثرت على ديوان للشاعر الكبير الأستاذ محمود بيرم التونسي، فأخذت منه نص وعملته، ووجدت نص مكتوب لشاعر مصري في بيرم التونسي وهو منفي، فأعجبني هذا النص فأخذته ولحنته وأنا في باريس أيضا. J'ai demandé à Cheikh Imam si au cours de son voyage ici en France et en Europe, est-ce qu'il a composé d'autres chansons. Il a dit que lui, il composait la musique, mais que les chansons, bien sûr, il prenait des poèmes d'auteurs connus et d'auteurs célèbres dans le monde arabe. Et en particulier, donc, au cours de son voyage ici en France, il est tombé sur un texte, un poème d'un auteur tunisien, Biram Tounsi, et qu'il a donc il a composé une musique pour ce poème, et c'est cette chanson qu'il va interpréter maintenant. Tfadal Cheikh. الحكاية
شراعي أفرد ضلوعي يا ولا واركب شراعي أنا وحبيبي في الهوى على هوى يا شوف الحكاية يا ولا شوف الحكاية عشق الصبايا يا ولا طول معايا شوف الحكاية يا ولا شوف الحكاية الصبايا يا ولا طول معايا منهم هنا